souhaite la bienvenue au 7e congrès de l'Union des employés de service. On va parler comment est-ce que chacun des militants et des militantes à l'intérieur du local 800 peuvent atteindre une implication qu'on qualifierait de responsable. L'implication dans la communauté, l'implication dans l'environnement, la culture, l'économie et la politique. Dites que si vous pensez, parce qu'on a besoin de savoir justement vers où puis vers quoi qu'on s'en va, nous autres, comme structure, comme syndicat, et c'est le Congrès qui doit nous le faire savoir. C'est le Congrès qui doit nous orienter. Alors, je vous souhaite le meilleur des débats possibles. Merci. Si on s'occupe de soi-même, vous allez parvenir à faire quelque chose. Si on s'occupe du syndicat, vous allez parvenir à faire grossir le syndicat. Mais si vous ne faites rien, et que vous avez toujours peur, vous dites toujours oui quand le boss parle, bien, à ce moment-là, bien, vous allez payer pour et vous n'aurez pas les conditions de travail que vous nécessitez. Alors, je vous souhaite encore bon congrès et je vous remercie de m'avoir entendu. Et merci pour les honneurs aussi. Aimé Goyer, membre honoraire, en hommage à celui qui nous a précédés et qui a ouvert un sentier sur lequel nous pouvons marcher ensemble avec solidarité. Merci, Aimé. We will never give in. We will fight for our members until we win. Workers United. Workers United will never be defeated. Thank you very much. Au président sortant, le confrère Raymond Larcher, est-ce que vous maintenez votre mise en candidature au poste de président du syndicat? Je désire maintenir ma candidature.